Le mystère s'est emparé ce week-end du Sportica. Deux soirées consacrées à la magie ont fait le bonheur du public avec le vendredi soir un tremplin qui présentait les meilleurs magiciens en devenir de la région. Parmi eux, Timothée, 13 ans seulement, le Benjamin de l'événement. Il manie les tours comme personne et pour cause, il est tombé dans la marmite tout petit. C'est mon père, au début, il y avait des DVD de magie, Sylvain Mirouf. Et dès que j'étais petit, je regardais ces DVD et j'ai toujours aimé l'effet que ça faisait aux gens, qu'on faisait disparaître quelque chose ou apparaître. Les gens, ils étaient toujours surpris et ça, c'est ce qui m'a vraiment passionné dans ça, surprendre les gens avec rien, quoi. Donc la base de la magie, comme tout magicien qui dit « Oh, c'est les cartes !» Tous les bons magiciens le savent. Donc pour cela, on va voir un jeu de cartes classique constitué de 54 cartes. Excusez-moi. Donc je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez. Allez-y. Stop ici. Je vous demande de regarder la carte, c'est bon. Vous l'avez bien. On va faire hop, on va poser, j'espère. Et ce que j'aime bien dans la magie, c'est le côté mystérieux, un peu étrange. Donc pour cela, du feu. On pourrait imaginer que je peux me renverser de la cire comme ça sur la main, mais ce n'est pas ça le tour. C'est vraiment avec ce tout petit fil, un fil de fer assez banal qu'on retrouve tout. Juste en essayant avec la pensée de tordre ce fil, ce que nous allons voir, juste avec la chaleur un peu ici comme ça, en pensant un peu, on peut voir que le fil réagit un peu. Hop. Ah, voilà, donc il commence à se construire. Voilà, donc on voit déjà apparaître très brièvement le signe du carreau. Donc on peut déjà penser que la carte c'est du carreau. Maintenant, il nous reste à voir quelle carte de carreau plus particulièrement, et on peut voir que c'est le 8 de carreau, c'est ça ? Je vous remercie. Une passion qui lui sourit, Timothée s'est illustré dernièrement lors d'un concours de magie. Oui, il y a 15 jours, j'ai gagné un prix à coup de quelques branches qui m'a permis en fait de participer au spectacle du soir avec des grandes figures de la magie. La soirée de samedi a tenu également toutes ses promesses. Plus de 400 spectateurs ont assisté au show. Un rendez-vous qui vraisemblablement ne devrait pas disparaître. Et voilà. Et merci. Bonne soirée à vous. Une association qui porte bien son nom. Agir, c'est une véritable volonté et dynamique que la structure gravelinoise déploie chaque année pour accompagner les publics en recherche d'emploi. Faire une formation professionnelle ou tout simplement être soutenu dans ses démarches, les différents services savent faire et obtiennent des résultats. Donc, Agir est bien évidemment une association qui a pour objectif d'accompagner les publics en recherche d'emploi. Donc tout au long de l'année, ce sont environ 600 personnes qui passent la porte pour à la fois avoir un simple conseil, un accompagnement et pour certains avoir la possibilité d'entrer sur nos chantiers. 130 personnes travaillent actuellement sur les 5 chantiers d'insertion dans des domaines différents. Métallerie, second et gros œuvres, espace vert et service à la personne. 24 mois de contrat pour Freddy, auparavant opérateur de production, qui aujourd'hui apprend la métallerie. Une réorientation professionnelle qui semble bien partie. Oh, plein de choses. Déjà, ça m'a apporté mon permis de conduire, car grâce à ça, j'ai pu passer mon permis et m'acheter une voiture. Donc maintenant, j'ai toutes les clés en main pour trouver un métier. Là, la semaine prochaine, on a rendez-vous à Dunkerque pour le forum, un forum de l'emploi, et donc on pourra démarcher les entreprises sur place. Et je pense qu'avec mon parcours professionnel, ça devrait aller. Les personnes en situation d'échec professionnel perdent souvent pied lors des entretiens d'embauche face aux recruteurs. Agir est là aussi, à travers un accompagnement personnalisé, pour leur donner tous les atouts. Les personnes se présentent en entreprise pour un entretien. Les cinq premières secondes comptent. Ça passe par des ateliers, donc des jeux emploi, des jeux mobilité, des jeux santé.
On met en place aussi des ateliers pour préparer ces personnes lors des forums. On met en place une journée bien-être. 200 personnes ont été remises à l'emploi par Agir en 2015. L'association prépare en ce moment sa 15e édition du Forum de l'emploi et de la formation professionnelle. 130 stands et quelques 2000 solutions d'emploi seront proposées à Sportica le 30 mars prochain.